Merci, Monsieur le Président, Madame le Commissaire, chers collègues. La politique du handicap est un marqueur de l'Europe inclusive que nous voulons construire, conformément à notre devise « Unie dans la diversité ». La politique du handicap doit être présente dans toutes nos politiques. Emploi, éducation, logement, transport, numérique et bien sûr santé. Le rapport que nous allons voter rappelle que près d'un Européen sur quatre signale un degré de limitation fonctionnelle du fait d'un problème de santé. Des maladies chroniques comme le diabète ou le cancer peuvent en effet entraîner une perte d'autonomie. Une politique de santé ambitieuse doit être globale, allant des efforts de prévention en santé physique et mentale jusqu'à la réinsertion après une maladie invalidante. C'est ce que nous défendons également dans le plan européen pour vaincre le cancer et dans le prochain rapport sur le cadre stratégique pour la santé et la sécurité au travail. Oui, il faut mieux prévenir et mieux guérir, mais il faut penser aussi à la vie avec et après la maladie. Les survivants se heurtent trop souvent à un difficile retour à une vie sociale, affective et professionnelle normale. Je vous remercie.